Quoi ? Tarbéliard. Chut. Ma lame est très acérée. Est-ce que tu la sens ? Que voulez-vous ? Parler. À propos d'un temple, ici, dans les montagnes. Vous voulez bien discuter, n'est-ce pas ? Étranger, écoutez-moi. Qu'y a-t-il ? Je veille sur cet endroit. Avant que quelqu'un puisse vous aider, vous allez devoir me prouver que vous êtes prêt à faire quelque chose pour Blackwater. Ce sont les règles.
Et qui établit ces règles? C'est moi. Je vois. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Les fouisseurs qui rôdent dans les parages sont une véritable menace. Détruisez leur nid et ramenez-moi quelques œufs en guise de preuve. Vous me trouverez au nénuphar des marécages. C'est la plus grande cabane de la colonie. Où puis-je trouver ces nids des fouisseurs? Vous devriez trouver au moins une douzaine de nids au nord-est de Touchou. Allez donc voir de ce côté.
Ouais, comment ça va? Hé, patron, rends-moi un service. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Je te rendrai riche. Hé, c'est un type paumé au milieu des marécages qui me dit ça. Te leurre pas, hein. Trouve-moi mon sac, et là, tu verras. Et pourquoi est-ce que j'irai chercher ton sac? Tu pourras garder le sac, patron. Un sac précieux avec des décorations en or et tout ça. Mais son contenu est pour moi. Dommage, c'est surtout son contenu qui m'intéresse. Oh, c'est purement personnel. Sans aucune valeur pour toi, patron. Tu cherches un sac? Tu veux dire un sac comme celui-là? Excellent, patron! Le contenu pour moi, le sac pour toi, d'accord? Joli sac, avec des décorations en or. Il y a même ton nom à l'intérieur. Boran. Quoi? Boran? C'est pas possible! Ah, alors je vais devoir poser la question à Boran. Patron, patron! C'est vraiment pas nécessaire! Encore une nouvelle recrue? Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je cherche deux mages qui ont étudié un temple ancien dans les archives du château de Silver Lake. Ces affaires sont gérées par le grand maître Mère d'Arion. Dans ce cas, j'aimerais parler au grand maître. Le grand maître de l'eau est actuellement occupé. Sans mon autorisation, personne ne peut le déranger. Alors j'aimerais que vous m'accordiez l'autorisation de parler au grand maître. Ha! Vous n'êtes pas le premier à venir me la demander. Commencez par vous rendre utile et rendez-vous dans la crypte. Ici, tout près de l'entrée, là où les racines sortent du sol. Faites promettre à Vultus de ne plus lancer de sorts de combat à l'intérieur de l'arbre. Et nous reparlerons. Dites-lui que la prochaine fois que j'entends un boom, je l'exile dans les marécages. Ensuite, vous me laisserez voir Mère d'Arion? Peut-être. Vultus vous crée des ennuis? Ces expériences sont dangereuses. C'est un scandale que le Conseil tolère sa présence dans l'arbre sacré. Puisque Vultus est si dangereux, pourquoi est-il encore là? C'est un soi-disant génie. Fou allié, plutôt. Fou allié? Pourquoi? Il essaie de développer une nouvelle magie. Si elle existe, pourquoi les dieux ne l'ont-ils pas déjà confiée à nos ancêtres? Alors, vous pensez que Vultus offense les dieux? Ce que fait Vultus est fondamentalement mauvais. Si le Conseil refuse de mettre un terme à ses agissements, c'est moi qui le ferai. Le Conseil? C'est lui qui règne sur ce lieu? En quelque sorte. Les trois grands maîtres de la confrérie incarnent le feu, l'eau et les ténèbres. Dites-moi davantage sur le grand maître du feu. Le grand maître Milton est un mage du feu incroyablement talentueux. Certains disent qu'il est le mage le plus puissant du monde. Son âme est entièrement vouée au savoir. C'est lui qui a eu l'idée d'ouvrir l'arbre sacré à tous les mages, quelle que soit la voie qu'ils ont embrassée. Beaucoup ne lui font pas confiance car il était jadis un ami du roi de Myrtana. Mais le grand maître ne se laissera pas leurrer. Que savez-vous sur le grand maître de l'eau? Le grand maître Mère d'Arion ne parle pas beaucoup de son passé. La rumeur raconte que le grand maître Ningal et lui ont fui Morasul à l'époque. Comme si deux magiciens aussi puissants pouvaient avoir quelque chose à craindre. Le grand maître Mère d'Arion est passionné par les ruines anciennes d'Argaan. Il y a mené de nombreuses expéditions. Qui est le grand maître des ténèbres? Le grand maître Ningal, un homme très taciturne. Je sais seulement qu'il convient de se montrer très prudent en sa présence. Pourquoi? Il tue les personnes qu'il n'apprécie pas? Je vous en ai déjà trop dit. Regardez ça! Ce type est vraiment important!
Quoi de neuf ? Hé ! C'est mon sac ! Oui, ton nom est écrit à l'intérieur. Quelqu'un me l'a volé, c'était toi ? Moi ? Non. Je l'ai trouvé dans les marécages. Combien tu me donnes pour que je te le rende ? Je te donnerai de l'or. Bien, le sac est à toi. Voyons voir. Hé, il est vide ! Pas question que je te donne de l'or ! Tu m'as dit que tu me donnerais de l'or en échange de ton sac. Tu as ton sac, donne-moi l'or. Attends, attends ! Je te donnerai le double si tu me rapportes ce qu'il contenait. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ton sac ? Du brumeau du Nordmar. Une liqueur très rare. Très prisée ici, dans les marécages. Je retrouverai le brumeau du Nordmar. Patron ! Patron ! Quelle surprise ! Alors mon pote, un conseil. Donne-moi le brumeau du Nordmar maintenant ! Quoi ? T'es fou ! Tu as volé le brumeau du Nordmar à Boran. Donne-le-moi ! Mais patron ! On avait un accord ! Tu préfères peut-être que j'en parle à Léboras ? Tu feras pas ça, Ordure ! Je vais te tuer ! Attends un peu, mon pote. Assez, patron ! Pitié ! Pitié ! Parlons un peu de notre problème. Désolé, patron ! Vraiment ! Voulez les bouteilles ? Bien. L'incident est clos. D'accord, patron ! Promis, je te dérangerai plus ! Quoi de neuf ? Tu as mon brumeau du Nordmar ? Voilà ton brumeau du Nordmar. Beau travail ! Voilà ton or. Qu'est-ce que tu penses de Léboras ? Il est nerveux, imbu de lui-même et hautain, franchement énervant, un sale type. Tu as peur de Léboras ? Peur n'est pas le bon mot. Le problème est qu'il est impossible de parler à ce crétin, avec ses lois et ses principes. C'est tout ce qu'il connaît de la vie. Moi, ma vie est pourrie et remplie de concessions. Et quelles sont les lois de Léboras ? Pas de violence, pas de contrebande, pas d'herbe des marais, pas d'alcool. Franchement, et quoi encore ? Il faut que je fasse des affaires, moi ! Que penses-tu des mages ? Ce serait bien s'ils aidaient un peu les petites gens de la région. Mais ils ont un peu tendance à rester entre eux.